Bon. Coucou tout le monde. Ouais, je vous prends, il est 13h. Là, je suis garée. Parce que j'attends pour aller travailler. Suis explosée. Mais vraiment explosée, quoi. Aujourd'hui, a du mal. Beaucoup de mal. Mais bon. C'est pas grave. On va faire avec. Bon, là, de toute façon, je finis à 4h30. À 5h30, j'irai récupérer mon bébé. Je l'amène chez Marlène. Et je vais pouvoir dormir. Parce que là, je suis KO. De chez KO. Là, on va pouvoir se reposer un peu. Hier, je suis allée faire mes ongles. C'est Morgane qui a choisi les marrons. Et les pailletés. Ouais, elle était venue avec moi. Et de toute façon, je l'ai amenée à temps pour l'école. Elle était en avance même. Mais bon. Elle aussi, là, elle est fatiguée. Demain, elle va pouvoir dormir tranquille, vu qu'elle est chez Marlène. Elle va pouvoir dormir, ça fera du bien. Alors, oui, par rapport à Plume. Il y en a qui me disent que c'est pas normal qu'elle ronronne fort ou qu'elle ronronne avec la bouche ouverte. Si, c'est normal. Il y a des chats qui ronronnent très fort. Misty Gris, il ronronnait très 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 fort. Plus fort qu'elle. Et par moments, ça lui arrivait de ronronner aussi avec la bouche ouverte. C'était rare qu'il fasse, mais il le faisait. Elle a ronronné avec la bouche ouverte. Des fois, elle va la fermer, mais elle va très bien. Pika, Athéna, eux, ils ronronnent très doucement. Mais vraiment doucement. Parce qu'ils sont comme ça. Il y a des chats qui vont ronronner plus fort que d'autres, d'autres non. Ça dépend. Ça dépend de... Mais bon. C'est comme ça. Il faut que j'appelle quelqu'un et je vous dis à plus tard. Oh. Coucou tout le monde. J'espère que vous allez bien. Il fait horriblement froid aujourd'hui. Ça a gelé ce matin. J'ai gratté juste un morceau de la voiture. Alors, oh, purée. Moi aussi, je suis claquée, j'en peux plus. Là, hier, hier, je vous ai pas pris du tout. J'étais KO. Hier après-midi, après avoir fini le travail, je suis allée récupérer Morgane. On allait faire quatre courses. Vite fait. Et j'ai. Comment dire? J'ai croisé une dame que j'avais déjà fait un remplacement là au mois d'août. Et elle me fait au mois de décembre, vous serez libre pour faire un remplacement, je pars 2 semaines. J'ai fait non. J'ai fait non, non, non. J'ai fait, moi là j'ai mes journées, elles sont pleines. C'est même pas la peine si je peux pas. Ah, j'ai fait trouver quelqu'un d'autre, mais moi là je peux pas. Là jusqu'au mois de janvier, je finis tous les soirs à 20h à partir de la semaine prochaine. Et non, je peux pas. Je suis complète de chez complète et là je vais vraiment ralentir sur les remplacements parce que je peux plus. Mon corps là il me dit stop depuis septembre et là il faut que je le pousse encore à bout jusqu'au mois de janvier et après c'est rien. On va ralentir. Mais bon, quand il n'y a pas le choix, il n'y a pas le choix. Non, là en plus là, le week-end prochain, pas celui-là mais l'autre, on descend à l'Est. Le samedi, et je vais regarder à Cora si je peux trouver quelques jouets pour mon Regan, là, pour Noël. Et voilà, comme ça. Ça sera nickel. Mais bon, on va voir un peu. Voilà, ce week-end, aller chez Marlène, je vais pouvoir dormir. Parce que là, je suis fatiguée. Mais bien comme il faut, non. En plus, là, j'attends pour aller à l'autre magasin. Parce que, comme d'habitude, je suis en avance. Et voilà. C'est comme ça. Mais bon. Coucou, j'espère que vous allez bien. Plume, dis-moi pas que t'as enlevé une boule du sapin!
Elle a enlevé le bout du sapin. Oui, parce que... Oui, alors, ce côté, il n'y a rien, c'est normal. Parce que là, vous avez un bras chat. C'est l'autre côté. Mais ce problème, c'est que, comment dire, qu'il commence à être déplumé. Quoi, des boulets surtout, parce qu'il y a presque... Il y a les plumes, il y a des boules que plumes à enlever. Oh, parce que samedi, on était allé, parce que là, on est vendredi. Samedi, on était allé, samedi dernier, on était allé voir pour ramasser des champignons avec une amie. Bon, on a fait 3 forêts, on n'en a trouvé aucun. Les mamans étaient crevées et les gamins, ils étaient en pleine forme. Bon, on a passé une bonne après-midi et le dimanche, j'ai Morgan qui, quoi, dit le vent samedi soir, elle fait maman, ça serait bien qu'on fasse le sapin. Alors, dimanche, j'ai cédé, on a fait le sapin. Plume, quoi, Téna et Pika, ils ont vu le sapin, ils l'ont reniflé, mais sans plus. Mais Plume, non. À un moment, j'étais en train de mettre les stickers. Ouais, il a tendance à bouger tout seul, le sapin. Plume. T'es où, ma fée-fille? T'es où, ma fée-fille? Voilà. Est-ce qu'il y a elle dedans, là? Il y a elle. Là, depuis quelques jours, en fait, elle essaye de choper le lutin rouge. Depuis quelques jours. Parce que moi je suis en train de mettre stickers, je suis en train de sapin en train de bouger parce que c'est Morgan qui l'a fait le sapin. Elle fait ouais, je veux mettre les bouches, je veux mettre les guirlandes. Ok. Maman met les stickers sur la fenêtre. Elle a fait que j'enlève ce que j'avais avant et mettre cela. Et à un moment, j'ai entendu du bruit bizarre. J'ai fait à Morgan, j'ai dit qu'est-ce que tu fais? Comme j'avais dos tourné. Elle me fait mais maman, c'est pour moi, je suis dans ma chambre. Ah, et au bout d'un moment, vous voyez la tête de Plume sortir du sapin. Tu fais bon. C'est vrai que c'est son premier Noël. On va rigoler. Ah, mais il a failli tomber plus d'une fois aussi. Il y a des boules. Déjà, j'avais pas beaucoup de boules que j'ai dit comme j'y vais samedi prochain. Pas celui à Carvi, mais l'autre la semaine prochaine à Alès. J'ai dit, bah, action, je rachèterai des boules. Mais je serais vraiment obligée d'arracher des boules parce qu'entre une qui me les pique, qui me les casse, tout va bien. C'est tout à fait normal. De toute façon, il faut que je rachète des guirlandes. T'as fini de faire bouger le sapin? Plume. Tu fais quoi? Oui, c'est toi là qui fais l'andouille. On voit que t'es en train de faire la l'andouille. Dites-moi que vous avez des chats qui font pareil, s'il vous plaît. Merci d'avoir fermé la porte, plus Téna. Dites-moi que vous avez des chats qui fait pareil. Non, le pire, c'est qu'on a dit, mais pas au niveau de l'arbre à chat. Les boules. Mais non, si j'ai comme ça, les chats, ils n'auront pas tendance à jouer. Mais j'avais oublié qu'elle pouvait rentrer dedans l'arbre à chat. Dedans le sapin. Ah, comme aussi Morgan, elle a mis les petits villages là par terre que j'avais acheté lumineux. Bon, j'en rachèterai quelques-uns. Et vous savez que j'avais un Père Noël et un lutin assez grand. On les a mis là. Souvent, on les retrouve par terre. On les retrouve souvent par terre. Non, non, mais que le pire, c'est que Pika, Téna ne sont jamais rentrés dans le sapin. Mimi Siri, quand j'ai été peu, quand il était bébé, même grand, donc lui, au contraire, il essayait de mordre les branches. Mais elle me rentre dedans. La joie d'avoir des chats. En tout cas, c'est pas grave, maman rachètera des boules. On va s'amuser. À ma fille. Mais bon. Non, là, je vais... parce que lundi, vous savez, je suis allée faire refaire mes ongles, lundi après-midi. Et Morgane était venue avec moi.
Et dans l'institut, elle a remarqué, elle avait vu un portefeuille qui, un petit portefeuille à 10 euros qui lui plaisait, qu'elle me dit, maman, j'aimerais bien l'avoir. J'ai fait, il n'y a pas de souci, 10 euros. J'ai demandé à la dame si elle pouvait me mettre de côté. Elle me fait, il n'y a pas de souci, je viendrai vous le chercher vendredi. Elle me fait, il n'y a pas de problème. Alors là, tout à l'heure, dès que je finis le travail, je vais chercher Marlène. Parce que Morgane, ben, tous les vendredis, elle a rendez-vous à la psy. Je vais chercher Marlène et mais dégage-toi. Je vais chercher Marlène. Elle mange à la. Je vais aller chercher le petit portefeuille pour Morrigan. Après, on va chercher Morrigan. Elle mange à la maison. Je dépose Morrigan. Je me dépose au travail. Et après, elle part parce qu'elle doit récupérer à 3h30 Morrigan au cinéma parce que cet après-midi, ils vont voir un film. Ça doit être un truc sur Noël. Elle va l'amener chez la psy et après, on vient me récupérer à 4h30. Voilà. Et après, je ramène jusqu'à la maison. Quoi, jusqu'à chez elle. Moi, je rentre chez moi et je bouge plus parce que là, depuis lundi, je suis gelée. Depuis lundi, je suis tellement fatiguée que je suis à 2 à l'heure. J'ai pas de motivation, j'ai rien. Alors, je sais pas si c'est le fait parce que depuis hier, il gèle et depuis lundi, c'est vrai qu'il fait gris. Alors, j'ai tellement froid, je suis tellement pas bien que. Et pour vous dire, ma fille, à 8h30, bon, en tant qu'elle s'endort, c'est 9h, 9h30. À 10h, je suis au lit, je m'endors. Hier, j'avais fait. Comme j'avais acheté des bouillottes, je les ai remplies. J'ai dormi avec une. Tellement que j'avais froid, que j'étais vraiment pas bien. Non, mais là, cette semaine, je suis crevée, que j'en peux plus, quoi. Là, ça va ce week-end. J'ai pas Morrigan à aller chez Marlène. Ça fait que demain matin, je vais pouvoir dormir. Ça va faire du bien, ça, de dormir un peu et va faire tranquille. Là, la semaine prochaine, je vais faire une commande sur Shein où j'ai trouvé une grosse couverture pour mettre sur le canapé et je me suis pris un pyjama pilou pilou. Ouais. Ce qui fait froid. Non, voilà. Bon. Voilà, ouais, le vlog il sera petit parce qu'en fin de compte, je me suis aperçu hier qu'il y avait des vidéos que j'avais mis qui n'y sont plus. Je sais pas, j'ai dû peut-être les supprimer sans faire exprès ni quoi que ce soit. Alors voilà, c'est pas un souci, c'est pas grave. Voilà, on va mettre le manteau et je vais aller à la boulangerie boire un café et moi j'ai un croissant. Et après, je vais travailler, chercher Marlène, et voilà. Journée comme d'habitude. Moi, je vous dis à plus tard. Oh. On est toujours vendredi. Là, en fait, j'attends pour aller chercher les clés de remplacement que j'attaque lundi jusqu'au 1er janvier. Elle arrive à 6h15, elle commence. Alors, j'ai un peu de temps, parce qu'il est 6h et quelques. Voilà, on est temps. Son... Non, là, j'ai fait tous mes remplacements aujourd'hui, mais je suis crevée. Il fait froid, mais c'est hallucinant comme il fait froid. C'est dingue. Mais bon. Mais après, je rentre à ma maison, je prends une douche, je fais de la purée au jambon. Ouais, j'ai envie de purée en ce moment. De la purée et je mets mon pied, je mets sous la couverture, sur le canapé et je vais regarder mes séries, mes dramas. Parce que là, j'en ai quelques-unes que j'ai pas regardées et qu'il faut que je rattrape des épisodes. Mais bon, alors, comme j'étais tellement fatiguée, le soir, je les regardais pas. Voilà. Bon. Écoutez, moi je vous souhaite de passer un très bon week-end. Une très bonne semaine. Restez bien au chaud parce qu'il fait horriblement froid. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous.